Jane, je veux ça. Je veux ça. Moi j'ai déjà le Jane, je veux ça. Je veux ça. Moi j'ai déjà le Jane, je veux ça. La plage. Oh, petit, ne dérange pas mes oreilles depuis là avec Kribi. Kribi, c'est ta première fois de quoi, Kribi? Oui. Là, je t'ai dit qu'elle va t'amener, tu vas marcher. Mais c'est le chef de guerre. Dès qu'on arrive à Kribi, elle séduit toutes les filles de Kribi direct. Ah, petit, parce que c'est pour la femme. Tu auras la femme. Tiens, non. Tiens, la femme. Moi, elle me dit. Je t'ai dit que je suis le chef de guerre. On m'a donné même tout un terrain dans la mer. Ah bon? Tout ce qu'on mange, je vais seulement manger à Kribi. Petit frère, tu vas mourir, la famille là-bas, parce que les chops sont chers. Je m'en fous, je vais voler. Même s'il faut voler pour manger, je vais voler. Et si tu voles, n'est-ce pas, tu vas respecter l'odeur du carburant. Ça va faire le titre d'un film de Kribi et les femmes plus la légende. Et non, 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 non. Petit, c'est notre poisson. Vois les poissons dans l'eau. Laisse-nous, on va là où on vend les poissons. Mais ça, c'est même les villageois comme ça, mon frère. Ça, c'est pas ça. Vous m'avez demandé, vous devez laisser l'argent sinon. Voilà Kribi. À Kribi. On t'a demandé. Mais ma foi, c'est Kribi qui a assez bon. On t'a payé pour Kribi ou pour l'agence. Tu sais pas, hein. Viens nous ici. Tchoukoulou, mec. C'est votre première fois de voir l'eau. Quoi, laisse les choses. Non, c'est Kribi, ce n'est pas comme l'eau. Calme-toi, paye d'abord ici. On paye comment? On a deux payés, on a payé au chauffeur. Mais c'est moi le convoyeur, vous payez au chauffeur comment? On a payé à l'agence. Mais le chauffeur, lui, me recrute encore comme convoyeur. Kribi. Oh, les gars! Sorti de ma voiture, non? Oh, mais tu peux donner ton argent. Regarde, t'es où que tu fais à Yaoundé là? Sache qu'ici on a à Kribi. Et il y a le vent et l'eau. Mais tu fais un ami, puis autochtone, pour dire c'est là. Puis, et moi, c'est moi qui vais vous guider ici. Parce que le chauffeur donne ma part de perdre, mais je veux qu'on dise. Dis donc, tu sors de ma voiture. Je sors de ta voiture, comment tu vas y échanger? Ah, quand même là-bas avec ça. Ouais, à toutes les nanas de Kribi. Le 17, c'est les gens, il est là, les millions. On quitte avec ses archives là-bas, tu gardes ma photo. On est à Kribi. On est à Kribi. Kribi, la photo. L'eau de Kribi, c'est pas comme les autres. Vous allez manger vos dents ici. Man, c'est Kribi, man. Il y a la chose. Il y a les belles femmes ici. Il y a la mer. Et quand il y a la mer, on vend tout. On vend le sel de mer. On vend l'eau de mer. On vend même le sable de mer. C'est ici qu'on retrouve tous les blés. Lady, il va séduire toutes les femmes de Kribi. Attendez, attendez, attendez. C'est dans la mer, il va partir avec. La maison est pas où? Non, je voulais, non. Vous êtes à Kribi, le live, non, non, Kribi. Mais vous dites aussi l'autochtone de Kribi, petit peu. Voilà. Ouais, ouais, la maison, non. Vous allez nanger sur les ciseaux. Non, on va dormir où? Non, non, on part où? Attends, on marche comme ça, on connaît même pas où on part. Ma petite, tu peux te demander de me donner au téléphone, j'appelle, non? On donne ça ici. Tu ne fais pas confiance à ton guide. Appelle. Et puis, vous êtes ici, allez, je suis l'autochtone. Oui, oui, appelle. Ma frère, son numéro, c'est encore quoi? Tu n'es jamais allé chez ton frère. Oh, il y avait 6 gars, il était là-bas l'année passée. Il y avait 6, c'était Orange, ouais, 99.
Voilà, non, c'est ça. Voilà son nom. En vrai, non, ça sonne bien. C'est mon oncle. Oui, oui, oui. Ton frère ou ton nom? C'est mon oncle, non, c'est la famille. Frère, oncle, cousin, tout ça. D'abord. Ça sonne. Allô? Yeah, oncle. C'est le grand cas. Yes. Je suis bien là, je suis à Kribi. Oncle, avec l'emboutement, comme je disais, quand on venait piole à la piole, non? Tu n'as pas laissé les clés, comment? Mais oncle, mais ça, il était prévenu qu'il était en train d'arriver, non? Quoi? La dernière partie. J'avais seulement vendu le frigo, oncle, n'est-ce pas? J'ai laissé la télé. Mais tout ce n'est plus vendre, je suis avec les gars. Mais oncle, je suis ton neveu, il fait alors comment, moi, je suis à Kribi, il fait comment maintenant, il est dans où? Mais restez même là-bas, non? Oncle, nous, on est dans une situation zabenga maintenant, alors que nous, on ne sait pas là où on va go. Même si c'est en position Gang Kong, on va dormir. Allô? Allô? Mais c'est moi qui appelle, tu raccroches comment? Cola et le business, on va faire comment avec le business? Mais petit frère, soutenez-moi aussi dans la situation sinon, mon frère. Quelle situation? Tu nous as dit que tu avais la maison, mais non, on se trouve dehors et tu comptes te soutiens quoi? Mais petit frère, je vais gérer rien, mon ami là, il s'appelle Plazil. Je vais encore lui demander un contact. Car si vous n'êtes pas entraîné, Mboko, vous allez voir. Mais je peux m'encore dormir. Plazil va me chouler l'endroit. Vous voici dans la crise. Mais j'ai que ma chance, ça. Mais mon frère, tu m'as même envoyé à Kribi sinon. Mais. Moi, j'appelle une fille, un chameau même, juste pour qu'elle me berge à Kribi. Elle me parle fort. Tu imagines que la mère qui vendait la nourriture quand nous on était encore au lycée, son fils avait passé l'école normale de Kribi. J'appelle donc la meilleure amie de sa tante pour qu'elle me donne le numéro du contrôleur financier de la sous-préfecture de Kribi. Et elle refuse. Ça, c'est quelle méchanceté, ça. Moi, j'ai appelé un ancien dragueur, là. Il me dit qu'il a un appartement meublé, 5 chambres, bien climatisé, là. Mais le problème, c'est que je lui avais refusé les fesses. Je pouvais bien lui donner, mais quand tu le regardes, il était mal laid. Que... Pardon. Et donc, toi, tu appelais seulement les aboueux.